Mercredi, c'est sur la plage Pérère d'Arcachon que se disputait le championnat d'académie UNSS de sauvetage sportif côtier. 250 jeunes collégiens et lycéens participaient à cette compétition qui avait pour but la qualification pour le championnat de France qui aura lieu du 17 au 19 mai à Arcachon également. Alors, Académie, dans la Nouvelle-Aquitaine, effectivement, il y a Poitiers-Limoges. Aujourd'hui, ils ne sont pas là car ils ont un propre championnat d'académie, surtout sur l'Académie de Poitiers. Limoges, un peu moins, sans sauvetage sportif. Donc, nous rassemblons ici les départements de la Gironde, des Landes, du Béarn et du Pays Basque. Donc le sauvetage sportif, c'est un mélange d'épreuves. Le matin, ils ont l'épreuve flag, c'est les bâtons musicaux, où par sorte de course à pied, ils doivent au fur et à mesure se faire éliminer, puisque comme les chaises musicales, il reste un bâton pour deux équipiers à la fin, deux compétiteurs. Donc le dernier qui remporte le bâton a gagné avec une course. Ils sont au départ couchés au sol, position bien spécifique. Ensuite, ils ont des épreuves nautiques, avec un relais planche sauvetage, avec l'utilisation de planches rescue ou des bouées tubes, donc des parcours que vous voyez actuellement sur l'eau. Les élèves qui sont présents aujourd'hui, ce sont des élèves scolarisés en collège ou en lycée. Ils sont tous licenciés à l'UNSS. Sur le département de Gironde, nous avons 21 000 licenciés. Au niveau national, nous sommes la deuxième fédération avec plus d'un million de licenciés. Et donc ces jeunes-là qui pratiquent sur le temps dit scolaire, hein, puisque c'est de l'UNSS, les animateurs d'AS, ce sont des enseignants de PS qui ont un forfait de 3 heures. Donc ces jeunes-là s'entraînent tout au long de l'année avec leurs enseignants. Ils sont présents sur la compétition. Et le but pour eux, c'est non seulement de participer à ces compétitions-là, d'aller au championnat de France bien évidemment, mais aussi de découvrir l'activité. Et certains, notamment avec Sophie Galineau sur Arcachon, certains obtiennent des places ensuite de par leur formation, qui alterne aussi qui allie le secourisme, hein, puisque dans les épreuves il y a aussi du secourisme, peuvent très bien déboucher sur des emplois saisonniers sur les plages arcachonnaises ou de l'océan. C'est un sport qui marche énormément, qui se développe beaucoup, tant et si bien que pour ne pas faire de jaloux, une année sur deux, on a un championnat de France sauvetage sportif, mais en eau plate, donc en piscine, de façon à ce que les nageurs de territoire qui sont au centre de la France puissent aussi participer à des compétitions nationales. Donc c'est un sport qui se développe énormément, et puis c'est un sport qui développe tellement de valeurs citoyennes, de valeurs de respect, de valeurs d'entraide, de solidarité, qu'on ne peut que l'encourager et qu'on ne peut que se féliciter qu'autant de jeunes apparaissent.